Non, Mikey Blade. Déjà que j'ai perdu Kairi, et maintenant Mikey Blade, c'est vraiment la poisse. Comment je vais faire ça, Mikey Blade? Toi aussi, tu as perdu quelqu'un? Oui, mon ami Kairi. Tu l'as déjà rencontré? Non, mais tu ne devrais pas la chercher. Mais pourquoi? Parfois, les gens disparaissent et te laissent seul. C'est comme ça. Tu devras t'y faire, toi aussi. Tu n'as pas l'air de t'y être fait, toi. Tu attends encore son retour. Chloé? Max, c'est toi? Ben, quand on parle de vous, c'est d'être dans le cheval. Chloé, je peux tout expliquer. Il m'arrive un truc de fou. Oh, ravi de te voir aussi, Max. 5 ans sans donner de nouvelles, mais ça n'a pas la moindre importance. Tu es au moins 5 ans d'être contente de te voir. Je suis vraiment contente de te voir. Hello, Chloé Price, t'es prête pour... Oh, je te laisse seule 5 minutes et tu me rends là, chérie. Arrête tes bêtises, Rachel. Ce n'est que Max. Max? La Max qui t'a abandonné dans ce bled pourri, cette Max-là? La seule unique. Mais... On dirait un petit chaton effarouché. T'es revenu trop tard, petit chaton. Chloé est à moi maintenant. Calme-toi, Drama Queen. Bon, c'est quoi ce truc de dingue qui t'arrive, Max? J'ai découvert que j'avais le pouvoir de remonter dans le temps. Ok, tu es unique avec beaucoup d'imagination. Mais on n'est pas dans un manga ou un jeu vidéo. Je ne plaisante pas, c'est la vérité. Les gens n'ont pas ce genre de pouvoir, Max. Je ne suis pas folle, Chloé. C'est très sérieux. Je sais pas ce que t'as fumé, mais tu me planes complètement. Je sais que c'est difficile à croire, mais laissez-moi vous prouver que c'est vrai. Ok, super, Max. Montre-nous tes pouvoirs. C'est trop geek pour moi, je vous laisse à vos délires. Alors, comment comptes-tu me convaincre? Rachel de sa mini-clope. Ouais, pas trop difficile comme prédiction. Et maintenant, elle va faire tomber cette pile de carton. Pas étonnant avec tout ce bazar. Pour me convaincre, il va falloir quelque chose de plus inattendu, Max. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ok, c'est bon. C'était qui, Rachel? C'est juste Franck. Le téléphone de Rachel va sonner. Elle va refuser l'appel. Mais il va sonner à nouveau et elle va répondre à un certain Franck et dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Ouais, ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ok, c'est bon. C'était qui, Rachel? C'est juste Franck. Oh, Max, c'est dément. Je jure de servir Max, le pouvoir et recrute. Il nous attend pour aller à la soirée du Vortex Club. Viens avec nous, Max. Il est temps de s'amuser un peu. Je vais faire de toi une vraie punk. Je ne sais pas. Allez, Max, lâche-toi un peu. On risque rien avec toi et ton super pouvoir. Bon, ok. Il nous attend pour aller à la soirée du Vortex Club. Viens avec nous, Max. Il est temps de s'amuser un peu. Je vais faire de toi une vraie punk. Rachel, non, il ne faut pas y aller. Allez, Max, lâche-toi un peu. On risque rien avec toi et ton super pouvoir. Non, Chloé, il ne faut pas y aller. Il va se passer des choses horribles, quoi qu'on fasse. Crois-moi, il ne faut pas mettre un pied à cette soirée. Max, t'en es? Rachel, il faut écouter Max. C'est pas des blagues, je la crois. Tu préfères partir dans des délires de cette petite geek plutôt que de t'éclater avec moi? Mais ça n'a rien à voir. Fais-moi confiance. Tu ne dois pas y aller. Quelques heures avec elle et t'es devenue naze, Price. Je vais trouver des gens avec qui je peux m'éclater. Rachel, non! Max! Rachel, n'y va pas! Tu ne peux plus rien faire, Chloé. Il n'y a pas de solution. Eux l'ont vu.
C'est trop cool! Tu peux m'aider à retrouver Kairi? Ouais, effectivement. Et j'ai vu ton amie, mais elle a été envoyée ailleurs. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Est-ce qu'elle allait bien? Oh, ouais. Et elle m'a beaucoup parlé de toi. Elle te cherche également. Alors Kairi n'est pas en danger? Exactement. Et elle ne m'a pas oublié. Sans aucun doute. Merci, je dois vous laisser. Je dois retrouver Kairi et Maki Blade aussi. Bon courage. Patience, Kairi. Bientôt.